Bon matin tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que j'aimerais beaucoup partager une recette avec vous. Et c'est une recette vraiment simple et c'est vraiment bon. En tout cas, nous, ici dans ma famille, les enfants, ils aiment ça, mon mari, il aime ça. Moi, j'aime ça et les personnes à qui j'ai donné pour qu'ils goûtent, ils ont aimé ça. Donc, j'aimerais beaucoup la partager avec vous. C'est un gratin aux pommes de terre. Et c'est assez simple comme recette. Donc, Léa! Donc, quand je vais commencer à préparer ça, je vais vous filmer ça pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. À part ça, ici, la matinée, elle a été vraiment tranquille. Et, la nuit a pas trop bien été. Parce que la petite mademoiselle que vous voyez là, elle, Léa, elle est encore allaitée. Puis hier soir, elle s'est réveillée beaucoup de fois la nuit. Croyez-le ou non, elle s'est réveillée encore la nuit pour boire. Puis hier soir, c'était une de ces nuits où elle s'est réveillée au moins 5 ou 6 fois. Donc, oui, tu t'es réveillée beaucoup. Donc, je suis quand même fatiguée, mais c'est pas grave. Il faut trouver l'énergie pour passer à travers. Et les filles, mais pas les filles, et Sophia, elle voulait manger du grilled cheese. C'est des toasts avec du fromage, puis on fait ça à la poêle, mais j'imagine que tout le monde y connaît ça. Elle a presque tout fini, puis j'ai servi ça avec des petits fruits. Les filles, ils apprécient beaucoup et les petits fruits de bleuets, des framboises, des fraises, puis tout ça. Et par contre, et Léa, elle mange pas beaucoup. Elle mange rien. Je pense que son assiette, elle est là. Son pain est là. Ça fait au moins 10 minutes que je les ai servis. Puis elle est juste en train de jouer avec sa nourriture. Elle mange pas. Moi, je suis en train de prendre mon café. Et vous avez vu dans la vidéo, je vous ai filmé, c'est les capsules et du temps des fêtes de Nespresso et c'était une édition spéciale. Moi, j'avais pris plein de saveurs, mais ce qui me reste, c'est biscotti, si je ne me trompe pas. Et j'ai pas aimé. C'est pour ça qu'il m'en reste encore. J'ai vraiment pas aimé. C'est pas terrible, mais c'est pas délicieux non plus comme d'autres saveurs qu'ils ont. Donc moi, je la recommande pas. De toute façon, je sais que ça se vend pas parce que c'était en édition spéciale. Mais par contre, si vous avez des saveurs que vous aimez vraiment, que vous aimeriez ça me recommander, laissez-moi les ici dans les commentaires parce que j'aimerais ça découvrir de nouvelles saveurs. Et j'adore ça, boire du café. Je pense que je prends 3 ou 4 cafés par jour. Non, chérie, je sais que c'est pas super comme mode de vie, mais c'est ça. Donc, je vais vous laisser parce que là, la chicane commence et on se reparle plus tard. Oh my god, guys, je suis trop excitée. Je viens de recevoir un colis que j'avais commandé. Et on va voir ensemble c'est quoi. Doucement. Wow. Donc, c'est un soud de neige que j'ai commandé pour Léa. Oh, c'est vraiment beau. Et Sophia, donne-moi ça. J'avais commandé des petites bottines aussi, comme ça. Il n'y avait pas pour la taille à Sophia, mais elles sont vraiment cute. J'adore ça. Puis ça, j'avais commandé pour Sophia parce qu'elle a déjà la tuque. Puis il lui manquait les gants. Puis il y avait des bons rabais. Donc, je vais essayer ça sur Léa. Puis je vais vous montrer de quoi que ça a l'air. Oh, je suis trop excitée, c'est trop cute. Donc voilà de quoi que ça a l'air.
Est-ce que tu nous fais un sourire, Léa? Léa? Oh, je trouve ça vraiment cute. Et je vais vous montrer, je vais la descendre pour qu'elle marche. Vas-y là-bas. Léa? Léa? Viens ici. Viens ici. Sophia, tu fermes la porte, chérie. Oh, je suis vraiment contente de mon achat. Et, elle avait déjà un soute d'hiver, mais c'était trop grand. Puis moi, honnêtement, j'aime pas ça quand les vêtements sont grands sur les enfants. Je trouve qu'ils sont pas à l'aise. Ça doit pas être juste, mais quand c'est trop grand, j'aime pas ça. Les enfants sont pas à l'aise. Ils peuvent pas bouger comme il faut. Puis je trouve que pour la neige en ce moment, c'est important que l'enfant soit confortable. Mais c'est sûr que ces petites bottes-là, c'est pas pour aller dans la neige. Ça, je les ai juste mis pour voir si ça lui fessait. Mais c'est sûr que c'est pas pour aller sur la neige. Donc voilà ma petite mini, elle est trop cute. Sophia, elle voulait que je vous montre ses petites bottines parce qu'elle aussi, elle en a des roses. Puis elle m'a dit, oh maman, moi aussi, je veux mettre mes bottes et mon manteau puis mes gants puis je veux que tu me filmes. Donc, you wanna twirl? Wow! C'est trop cute! Ben, c'est ça. C'est drôle parce qu'on y va nulle part, mais elle voulait trop l'essayer. Et tu veux dire, c'est qui ça? C'est qui? Chanel. Ça, c'est Chanel. C'est notre petite chienne. Elle a 6 ans, je crois. Non, elle a 5 ans. Donc, c'est ça. Puis, on a ici Léa qui, elle veut remettre son manteau. Mais c'est trop drôle parce que dans la maison, il fait vraiment chaud. Puis, ils veulent mettre leur manteau. Donc, sur ça, je vais vous laisser. Je vais aller nettoyer mon bordel. Puis, je vais vous filmer pendant que je nettoie la cuisine. Puis, après ça, je vais commencer à préparer les soupers.
Donc voilà, on est rendu l'heure du dîner et les filles vont avoir des restants d'hier. C'est des pâtes avec des petits morceaux de poitrine de poulet et ça va être ça leur dîner. J'espère qu'ils vont manger. Entre-temps, pendant que eux ils mangent et moi je vais m'attaquer pour commencer à faire les repas de ce soir. Voilà. Bon appétit Léa. Puis avec ça, et je vais leur donner de l'eau. Je vais leur donner leur petite bouteille d'eau. Merci. Voilà. Bon appétit les filles. J'espère que je vais pouvoir filmer la vidéo qui suit pour vous montrer la recette du gratin. À tout de suite. Donc voilà, on va commencer à préparer la recette. La première chose qu'on aura besoin, et ça dépend vraiment de combien de personnes vous êtes dans votre foyer, dans votre maison. Nous ici on est 6 et on va dire quand même que les deux petites elles mangent pas beaucoup, puis les deux plus vieux aussi c'est pas vraiment des gros mangeurs, mais moi j'aime bien qu'il me reste pour mon mari pour son dîner de demain, puis aussi pour les dîners des filles de demain. Comme vous avez vu, je donne tout le temps les restants de la veille pour l'heure du dîner. Donc moi, qu'est-ce que j'ai ici, c'est à peu près 12 pommes de terre. C'est pas vraiment des grosses pommes de terre. Et la première chose qu'on va faire, on va les éplucher, puis ensuite je vous montre la suite. Donc, une fois nos patates bien épeluchées, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a besoin d'un bon couteau. Puis, je vous dis pas que ça, c'est comme la recette. Peut-être qu'il y a plein d'autres façons de faire des gratins aux pommes de terre. Mais celle-ci, c'est celle que moi j'apprécie le plus. Puis que je trouve que c'est plus facile. Donc, c'est ça, on va commencer. Oh, puis avant de couper les patates, on va juste prendre un petit peu de beurre. Puis, on va badigeonner les fonds de votre Pyrex, je sais pas comment ça s'appelle ça, de votre plat. On va bien les badigeonner pour que les pommes de terre ne se collent pas à l'intérieur. Donc ça y est, une fois que ça c'est fait, on prend un bon couteau puis on va commencer à trancher des fines rondelles. C'est comme ça que ça devrait rester, vous voyez. Donc je vais continuer à faire la même chose pour les autres, puis je vais vous montrer ensuite. Donc ça y est, j'ai fini de tout couper les pommes de terre. J'ai mis un petit peu du sel quand même pour qu'il y ait un petit peu de goût. Puis je vais vous montrer les ingrédients. Et moi, j'ai acheté une oignon. Normalement, je le fais avec les oignons blancs, mais j'en avais pas. Donc j'ai mis un oignon rouge. Je vais aussi utiliser de l'ail en purée. Ça, c'est un ail que c'est ma maman qui le fait. Et c'est des gousses d'ail avec de l'huile d'olive. Puis elle met ça au mélangeur, puis ça devient une pâte. C'est super bon. Si vous la faites, si vous l'achetez, essayez de le faire vous-même. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. C'est mille fois mieux. Ça prend un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Puis ça va vraiment changer les goûts de vos repas. Ensuite, comme épices, j'ai la poudre d'ail, du sel, du cumin, du poivre et du paprika. Et comme viande, c'est la viande hachée et j'ai utilisé 500 grammes. C'est ça, mais comme je vous dis, c'est comme vous voulez, c'est à votre choix, ça dépend comment est-ce que vous aimez manger. Puis si vous êtes végétarien, vous pouvez le faire aussi cette recette et sans, et vous allez juste pas ajouter la viande hachée, puis ça va être aussi bon. Donc là, je vais vous ramener pour vous montrer la suite. Donc voilà, on va faire réchauffer
de l'huile d'olive ou l'huile que vous voulez. Quand l'huile elle commence à devenir bien chaud, on va commencer par rajouter l'oignon. On va le tourner un petit peu. Ensuite, on va prendre notre viande hachée. Ensuite, on va mettre nos épices. Et l'ail. Puis, on va mélanger les tout. Jusqu'à temps que ça soit tout bien mélangé et bien cuit. Ok, donc mon mélange est fini, il y a déjà cuit. Puis là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler sur les patates qui sont crues. On va l'étaler partout comme ça. Puis je voulais vous dire, comme normalement, ça, on le fait avec les patates déjà cuites. Mais moi, je le faisais souvent comme ça, puis les patates, après ça, ils étaient comme toutes brisées, ils tenaient pas la forme. Puis une fois, j'avais dit, mon mari avait décidé de faire cette recette, puis lui, il savait pas qu'il fallait les cuire avant, puis il les avait mis creux. Puis ça a vraiment sorti mieux, donc depuis ce temps-là, que moi aussi, je les fais creux. Ensuite, moi je vais utiliser de la crème à cuisson 35%, mais d'habitude moi j'utilise la sauce béchamel, mais c'est aussi bon avec ça. Puis là il fallait que je passe cette crème là, donc c'est ça que je vais utiliser. Puis là on va mettre ça partout comme ça. Puis inquiétez-vous pas, parce que comme toutes les épices qu'on a mis sur la viande, ils vont s'imprégner, comme on dit, sur la crème, puis ça va devenir vraiment crémeux, puis ça va être super bon. Ensuite, on met du papier aluminium. On ferme ça, puis on va le mettre au four à 400 degrés pendant à peu près une heure ou jusqu'à temps que les patates soient. Ils vont être bien cuits, puis ensuite, quand ça va être prêt, je vais vous montrer la suite. Donc, on va mettre ça au four. Donc là, le souper est déjà dans le four. J'ai pas mal fini de tout ramasser ici. Et à la cuisine, tout ce que j'ai utilisé pour faire le souper. Puis là, je vais m'attaquer au salon, puis à la salle à manger. Il n'y a pas beaucoup de choses à ramasser. Je vais juste faire un coup d'aspirateur et enlever un peu de poussière, juste pour que ça reste propre. Puis ensuite, ça va être la sieste de Léa. Je vais la monter faire sa sieste, et je vais vous montrer, avant que je monte faire sa sieste, je vais vous montrer c'est quoi le bazar qu'ils ont fait ici à la maison. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, pas plein, mais il y a beaucoup de choses qui traînent. Comme, je sais pas pourquoi ils laissent des choses comme ça partout. Et là, il y a encore des choses ici. Oui, chérie. Il y a une tuque. Un soulier qui traîne ça. Puis je vais vider ça parce que à la base, on a mis ça ici pour qu'il y ait un petit peu de jouets. Mais j'aime pas ça quand il y a trop de jouets parce que c'est ça qui arrive. Tout, il laisse tout traîner partout. Donc, je vais ramasser ça vite, vite. Je vous montre quand j'aurai terminé. À tout de suite.
Donc ça y est, je viens de sortir mon gratin du four et là je suis en train de rajouter du fromage râpé. Moi j'ai pris ça, c'est ce que j'avais au frigo. Et je rajoute partout, puis ça va retourner au four pendant 10 minutes ou même pas 5 minutes, juste le temps que le fromage va fondre. Donc je vais mettre ça au four, puis je vous montre le résultat final tout de suite. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo et je voulais vous dire aussi que pour les gratins, comme je vous l'avais dit avant, et d'habitude on utilise la sauce béchamel, mais cette fois-ci on avait pris la crème qu'on a déjà pris auparavant, mais je ne me rappelais pas à quel point c'était vraiment meilleur avec la crème. Donc si jamais vous essayez cette recette-là, essayez de le faire avec la crème, vous n'allez pas être déçus. Et n'oubliez pas de me laisser des commentaires. Si vous voulez, vous pouvez me laisser des idées aussi pour mes prochaines vidéos et des suggestions, puis tout ça. Et ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos. Donc c'est ça. Je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à la prochaine.